vais m'installer quelques secondes. Ça, c'est la roche qui va me redonner des minéraux et des sucres en tout genre. Alors, c'est très important d'alicher complètement, comme vous pouvez le voir. Là, ça me redonne des forces, je me sens déjà mieux. Plus efficace que du Red Bull, ça. Bon, allez, merci. J'en ai plus besoin. Là, je suis prêt à aller continuer cette montagne. Ça me semble déjà moins difficile. Cette roche est vraiment un cadeau du désert. Vous savez, le désert n'est pas un endroit complètement hostile. Il offre certaines choses qui permettent aux survivants de vivre dans cet endroit incongru. J'ai remarqué quelque chose d'extrêmement effrayant. Regardez-moi ça. Ça. Je sais pas si vous remarquez, mais ça fait une forme de nid. Je devrais m'en aller d'ici au plus vite. Pour vous expliquer la situation, je pense que c'est ici le nid de Guragua. Alors il est très important de partir au plus vite. Si je me fais prendre par la mer Guragua, ça va être fini. Bien sûr, vous n'avez pas vu de petit, car ils se cachent sous la roche pendant la journée. Mais pendant la nuit, ils sortent, quémander de la nourriture à leur mère. C'est extrêmement dangereux de rester proche de ce genre de choses. Les Guragua femelles attaquent n'importe qui, même si c'est le jour. Guragua, vous voyez? Des balles. Encore intacts, ils sont lourds, probablement remplis de plomb. Ça, c'est extrêmement dangereux. Il y en a partout. Il y a probablement eu un combat ici. Regardez un autre. Ceci me semble plus vite que l'autre. Voyez, la quantité que j'ai ramassée. En si peu de temps, il y en a d'autres aux alentours. Ça, c'est une très bonne source de nourriture. Ça, là, ici. Voyez-vous? Ça, ça s'appelle un rhododendron du désert. Très important, ça a des petits fruits ici, mais c'est pas ça que je vais manger, moi. Ils sont pas encore prêts à ce temps-ci de l'année. Ça, c'est une petite feuille du rhododendron. Ça se mange. Très nutritif. Enfin, j'en ai partout autour. Alors, si j'ai faim, je viendrai ici. Bon. Il me semble être un endroit qui pourrait me servir d'abri potentiel. Mais le problème, c'est ces petites taches blanches. Ouais, ça sent la merde, ça. Des insectes dans les coins. Et c'est ce trou qui me fait peur. Voyez-vous, ce trou, c'est probablement une tanière de Guragua. Oh, bonjour. C'est les petits grilles. Voyez-vous, ces petits trous là partout. Comme ça, il y a quelques bosses, des ronds, à peu près de cette taille, partout dans le sol. Ça, c'est des empreintes de Guragua. Elles parsèment le chemin. Ils courent pendant la nuit à la recherche de proies, de nourriture, de viande, de chair, pour se nourrir. Je commence à avoir de plus en plus peur, car le nombre d'empreintes augmente plus je me rapproche de la roche. Mais comme je l'ai dit, c'est ma seule chance de retrouver la société. Il y a un Guragua qui me court après. C'est extrêmement pressant. Je dois me dépêcher. J'ai réussi à voir un endroit, un campement où ce que je pouvais aller. Là. Mais les Guragua sont en train de me courir après. Je dois me dépêcher de rejoindre la société que j'ai réussi à voir. Vite. Je dois pousser dans toute mon adrénaline pour réussir à continuer à courir. Je suis extrêmement épuisé. Je ne les vois plus.
Je ne sais plus où ils sont. Il y en a un qui m'a attrapé la jambe. À un moment, j'ai cru que c'était fini pour moi. J'ai vu l'oreille d'un campement. Voyez, regardez, j'avais raison. Il y a des guragois partout. C'était plus subtil. J'ai manqué de vigilance. Je suis épuisé, au bord de la folie. J'ai besoin de me reposer. C'est une des situations les plus périlleuses que j'ai jamais dû à vivre, que j'ai jamais eu à vivre de toute ma vie. Au départ, c'est parce que je suis rentré. J'étais tanné, le soleil me tapait sur le front, épuisé. J'ai décidé d'aller dans un endroit d'ombre et je suis tombé nez à nez. À la plus grande caverne de Guragua que j'ai jamais vue. Je pense être capable de me rendre à la ville. Maintenant, je sais où elle est. Je l'ai vue à la dernière seconde, avant que les Guragua commençaient à me courir après. Si j'avais couru en leur direction, ils m'auraient déchiqueté en plein de morceaux. Je pense que ça va bientôt être le moment de nous dire au revoir. Et ça jusqu'à ce que je me retrouve dans une autre situation extrêmement périlleuse. Dans un autre pays. Dans un autre endroit dangereux. Dans un autre épisode. Car je peux enfin voir la société qui se dessine au loin. Regardez ça. Il y a même quelqu'un. Je vais pouvoir manger, me doucher, dormir, et puis manger un vrai repas. Parce qu'on va se le dire, ça goûte la merde ce truc. Alors, à la prochaine. C'était Lié Petit Grill, en direct de la Jordanie.